Tous les hommes rêvent, mais différemment. Ceux qui rêvent de nuit, dans les replis poussiéreux de leur esprit, s'éveillent le jour et font face à leur vanité. Mais ceux qui rêvent de jour sont plus dangereux, car ils peuvent mettre en œuvre leur rêve et le réaliser. Je suis l'un d'eux. Mec. Oh, t'es un marrant. Quel accueil chaleureux. Disons rien. Pardonnez-moi, mais on n'est jamais trop prudent. Vous devez être Talbot. Monsieur Sullivan et Monsieur Drake. Exact. Vous l'avez. Et vous, vous avez l'argent. Cutter. Tout est là. À votre tour. Je vais devoir l'authentifier. Bien sûr. De l'argent, 16e siècle, style élisabétain, et gravé de la devise de Sir Francis Drake. Bien. Elle m'a l'air authentique. Évidemment qu'elle est authentique. Si je puis me permettre, comment avez-vous obtenu cette bague? C'est important. Mon client va être enchanté. Attendez une minute. C'est lui, c'est des faux. Je vous assure, monsieur Drake. Oh, mais t'as raison. Aussi faux que des pièces en chocolat. Dites donc, vous êtes en train de nous faire marcher. Je vous retourne la question. C'est grotesque. On annule tout. Et vous, vous allez dire à votre client que vous avez foiré. Viens, Nate, fichons le camp d'ici. Vous n'êtes pas vraiment en position de négocier. Donnez-moi la bague, prenez la valise et partez comme de vrais gentlemen. Tant que vous le pouvez. Fais ce qu'il te dit, fiston. C'est du vol. Eh bien, c'est ironique. Allez, comme ça dans le ventre. Celui-là est pour moi. Ouais, toi et moi. Ouais, laissez un peu de me frapper, allez. Dieu. Allez, pas le temps de souffler. Ok, mon pote, t'es un homme mort. Oh!
Idée, grand-père. Tuez-le. Et t'as renversé mon verre. Allez, les gars, on va se détendre. Allez, c'est ma tournée. Espèce d'enfoiré. Dégénéré en 2 secondes. Vas-y. Mince. Oh, ça craint. Viens là. Non. Une seconde, mon pote. Je reviens vite. Laissez. Mon ego, l'est. Allez, roule-toi, Nate. Là, par derrière. Chopez-les. Le vieux croulant est à moi. Qu'est-ce qu'on dit, Chris? C'est toi, gamin? Ouais. Allez. Son compte. Pas vrai, mec. Non. Reste là. Bonsoir, Victor. Kate. Vous traînez toujours dans le caniveau avec votre protégé, on dirait. Pas très distingué pour un homme de votre âge. J'aurais dû me douter que c'était vous. Oh, faites gaffe. Vous risquez de fondre.
Toujours aussi audacieux. Si courageux. Je me demande ce qui te ferait réagir. Les balles, le sang ou la torture? Non. Tu te moques de tout cela, pas vrai? Trompe la mort? Ou pas? Non. Monsieur Sullivan, je ne ferai rien à votre précieux ami. Je récupère juste ce qui est à moi. Rendez-moi ça! Cutter! Oh non, pas ça! Ta gueule! Non! Crétin! Oh, mais c'est un plaisir, Majesté. Marlowe, il faut que vous filiez d'ici. Oh, ça va, c'était que deux pauvres branleurs. Quoi? Ah! On y va. C'est parti.